Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Vers de Terre Production s'engage pour la transition agroécologique. Bueno, pues adelante. Bueno, muy bien, buenas tardes. Bueno, mi nombre es José María Palomo. Yo trabajo para la empresa Guaymel, que actualmente es dirigida por la señora Sandra Gutiérrez. Geográficamente, los campos de la empresa se encuentran ubicados en Argentina y más precisamente en el noreste de Tucumán y noroeste de Santiago del Estero. Bon, alors, notre ami s'est présenté. Il travaille pour une entreprise qui est dirigée par une dame et ils sont situés dans le nord-est de la province de Tucumán et dans le nord-est de quel rural me dijiste? De Santiago del Estero. Ah, de Santiago del Estero, voilà, pour la situation géographique. Esta zona se caracteriza por tener un clima subtropical con estación seca, es decir, que las lluvias están concentradas en el periodo de verano, principalmente entre diciembre y marzo. Voilà, donc c'est une zone qui subtropicale à climat sec avec les pluies concentrées sur 4 mois à peine de décembre à mars. Donc longue saison sèche. La pluviométrie varía de la zona donde menos lluvia tenemos, alrededor de los 600 milímetros, hasta los 900 milímetros, que es el sector este de Tucumán. Voilà, et donc apparemment, il travaille sur une zone assez étendue avec une pluviométrie variant entre 600 et 900 mm suivant les aires d'implantation. Muy bien. Entonces, los principales cultivos que tenemos son producción de soja y producción de maíz, y en menor escala, producción de poroto. Y Bon, alors. eso se... La principale culture, c'est le soja et le maïs, et secondairement, dans une moindre mesure, du poroto, du haricot. Y esa producción se realiza en los meses estivales de verano, donde tenemos las lluvias, dejando para el invierno, que es la estación seca, incorporar los cultivos de cobertura verde para mantener los campos cubiertos. Alors, c'est de l'agriculture pluviale. Les cultures de rente sont cultivées pendant la saison des pluies et ensuite la saison sèche ou le début de la saison sèche, voire moins, enfin, les cultures, les couvertures, les couverts sont installés pour que voilà pour que pour maintenir un peu de verdure pendant la saison sèche. Para la implantación de esas coberturas, venimos haciendo muchas experiencias y con muchas especies, hemos encontrado una forma de hacerlo, sobre todo en los campos donde tenemos menos milímetros, haciendo las siembras al voleo, esparcidas sobre la superficie. Voilà. Alors pour l'implantation des couverts, donc ils ont fait leur manip, leurs explorations, leur tri, et finalement ils en sont venus à implanter ces couverts en les semant à la volée. Para esas siembras usamos unas máquinas que están diseñadas precisamente para eso. La siembra se hace principalmente en el cultivo de soja antes de que la soja entre en el periodo de senescencia. De esa manera le ganamos al periodo a que se seque el suelo cuando cosechamos y ya tenemos el cultivo de servicio implantado. Alors voilà,
Le semis du couvert se fait dans le soja en mode sursemis avant que, lorsque le couvert de soja va commencer à entrer en sénescence et à perdre, voilà, en sénescence, de façon à ce que les couverts aient encore de l'humidité pour germer, pour lever et puis voilà, pour profiter de l'humidité résiduelle en suivant. Donc, sursemis dans le soja. A lo largo de los años venimos haciendo muchas experiencias con las siembras de coberturas al boleo. Arrancamos sembrando trigo, solo, avena, cebada, y pasamos a hacer consociaciones de Voilà. gramíneas. Voilà, donc les couvertures, ils ont essayé pas mal de céréales à paille, du blé, de l'orge, du seigle, bien sûr, semé à la volée comme indiqué tout à l'heure. Los mejores resultados se dieron mezclando avena, cebada y centeno, y que esa cobertura sembrada se mezcle con las plantas que nacen espontáneamente en los lotes, que principalmente son del género Brassica y Cardus. Voilà, alors le meilleur résultat, ils ont eu avec des mélanges d'avoine, orge et seigle, et avec qui dans lesquels se sont invités spontanément de spontanés, des cardos et des chardons et des brassicas, ça doit être des navets, enfin des brassicas, oui, des brassicacées, ça doit être je pense, des radis fourragés, sauvages, un truc comme ça, enfin, en tout cas, des brassicacées. De esa manera logramos tener cobertura verde durante el invierno y principios de primavera en campos donde después de la cosecha de soja no tendríamos la humedad para sembrarlo incorporado. Alors, c'est de cette manière qu'ils ont réussi à maintenir des couverts actifs pendant l'hiver et le début du printemps, parce que, à défaut de pratiquer le sursemis, il y aurait pas eu moyen de mettre en place des couverts en saison sèche. La photo précédente, c'était du trigo, c'est du blé avec du gros mus. Là, c'est de l'avoine. En el sector este de Tucumán, que normalmente tenemos un reservorio más importante de humedad, se hacen siembras sí, incorporadas con sembradora y ahí en las concesiones se agregan leguminosas. Alors, dans la région de plus arrosée, celle de Tucumán, ils arrivent à implanter des couverts en les semant directement au semoir. Et là, avec possibilité donc d'associer à la céréale des légumineuses. Légumineuses avec la céréale, semées au semoir. Para esas mezclas usamos como leguminosa garbanzo y la mezclamos con avena o con centeno o bicia, se la mezcla con avena y con centeno para lograr incorporar la leguminosa en el sistema de coberturas. Alors, dans ce système-là, comme les légumineuses, ils ont introduit le garbanzo, c'est le pois chiche. Qu'autre légumineuse a dit? Vicia Ah, la villosa, vicia. vis, la veste, et de façon à avoir donc des couverts mixtes. Voici des résidus de maïs avec couverture d'avoine dans cette diapo. De esa manera logramos tener el invierno los lotes cubiertos con cobertura y los lotes que vienen de soja. En el caso de los lotes que vienen de maíz, las coberturas se logran en los campos donde hay cosecha temprana, porque
Pero lógico. Ce qui a été exposé jusqu'à présent, c'est dans le cas donc des couverts implantés sur précédent soja, ou dans le soja, disons. Dans le cas du maïs, dans le cas du maïs, il n'arrive à implanter les couvertures que lorsque en cas de récolte précoce. Eso se debe a que las siembras tardías del maíz, que se las cosecha en julio, junio, julio, el suelo ya está muy seco y las coberturas no nacen, no llegan a producirse. Les semis les plus tardifs de maïs sont récoltés également plus tard, et alors là, plus moyen de mettre en place une couverture après la récolte. En el caso de la foto, es un rastrojo de maíz que se lo cosechó en mayo y se le sembró avena y logramos una buena población de la avena para tener el suelo cubierto. Voilà, donc dans cette photo, c'est un cas de semis précoce de maïs récolté tôt en mai et dans lequel ils ont pu réussir une belle couverture d'avoine. Se hicieron numerosas experiencias en el maíz. Una de ellas es sembrar el maíz junto con braquiaria, con unos resultados interesantes, pero se resigna mucho el rendimiento del maíz. Voilà. Ils ont fait des essais de semis simultanés de maïs et de braquiaria avec des résultats potentiellement intéressants, mais avec des rendements à maïs affectés, diminués. Pero después de la primavera y principio de verano, se logra un importante volumen vegetal de braquiaria y en el caso de la foto sembramos proto negro sobre braquiaria verde con resultados interesantes. Esta braquiaria pasó toda la estación seca, sobrevivió toda la La estación seca. braquiaria se seca, termina su ciclo en la estación. En otoño pasa el invierno y en la primavera comienza el nuevo ciclo. Donc, le maïs avait été affecté, la productivité du maïs avait été affectée, mais la braquiaria a survécu toute la saison sèche, a prospéré en début de saison des pluies, et ils ont pu y semer avec de très bons résultats un poroto negro, un haricot noir. En este caso de las fotos son coberturas de mezcla de garbanzo con avena en distintos estados fenológicos, en distintos estados de desarrollo. Voilà, donc ici c'est un exemple de semis de pois chiches dans l'avoine, à différents stades. Là, c'est la Crotalaria jaune CA, avec un C comme couverture. Exacto. Sí, nosotros acá en la empresa tenía su cocina, como decía Lucien, donde probamos diferentes especies para tratar de incorporarlas al sistema. Y una de ellas es la Crotalaria juncea, que se la viene haciendo como un cultivo precedente a la siembra de poroto negro. Alors, dans le cadre de leur cuisine, de leur test, voilà, ils ont introduit la Crotalaria juncea comme para luego sembrar qué en la Poroto Crotalaria. negro, Ah, Paciolo vulgaris, poroto negro. pour y semer du haricot noir. De esa manera tratamos de llegar con los campos cubiertos con cobertura hasta los meses de finales de octubre y noviembre con cobertura verde para después empezar a prepararlos para nuestra siembra de verano. Voilà, et donc c'est ainsi que avec ces couverts, ils préparent des précédents en l'occurrence ici avec orge, seigle et la brassicacée
la crucifère qui est spontanée, qui pousse naturellement, dont on voit les fleurs blanches là. Ça fera le lit des cultures des cultures de rente installées en saison des pluies. Esas coberturas en algunos casos son, cuando hay un volumen importante vegetal, se les pasa un rolo para aplastarlas y si no es necesario se las deja ya una vez que se secan en el lote y como están para luego sembrar los lotes. Alors, suivant le volume, suivant la biomasse du couvert, si cette biomasse est importante, elle peut être roulée avant de semer dessus. Et si elle est moins importante, on peut semer directement. Después también tenemos experiencias mezclando, haciendo concienciaciones en el cultivo de maíz con soja, con vicia, buscando que la vicia haga una buena cobertura, como es en el caso de la foto, cuando cosechamos el maíz. Esto es después de una cosecha de maíz. Después de una cosecha de maíz. Voilà. Ça, c'est un exemple de couverture. Ils font des essais de maïs avec différentes couvertures, y compris le soja. Dans ce cas, c'est avec la veste et la crucifère derrière un maïs. Voilà, avec c'est pas mal réussi. En los últimos años hemos incorporado usar técnicas de biodinámica para mejorar la biología de los suelos. Alors, ces dernières années, ils se sont essayés à la biodynamique pour améliorer la biologie des sols. Entre esas técnicas está la aplicación del preparado P500, que se lo dinamiza y se lo aplica a los lotes en la primavera. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'ils ont procédé à l'utilisation, no entendí lo que del prepara. Los preparados se dinamizan, que es un proceso de ¿Y cómo le llamaste a ese preparado? P500. Pimiento. P500, número Ah, le 500. P500. Donc, ils ont préparé le P500. J'avoue que je sais pas ce que c'est, mais c'est un peu comme des préparations homéopathiques. Il faut les préparer et ensuite les dynamiser avant de les appliquer. Y también se preparan biofertilizantes con las plantas espontáneas que salen en los lotes, y ese biofertilizante se lo usa para cubrir la semilla antes de la siembra y para aplicaciones foliares sobre los cultivos. Ils préparent aussi des biofertilisants, en particulier à partir des plantes spontanées et récoltées, triturées. Bon, ils en sortent et ils les utilisent en enrobage de semences ou en fertilisation foliaire sur les cultures, sur la culture. Con estas técnicas, el uso de los cultivos de cobertura, la biodinámica, hemos ido reduciendo el uso de productos químicos, herbicidas e insecticidas, ya que durante el invierno no se aplica ningún tipo de producto. Alors, avec l'utilisation des couverts, la biodynamie, les biofertilisants, etc., ils sont parvenus de cette manière à réduire l'utilisation des intrants et en particulier des pesticides, y compris les herbicides. Y hemos logrado tener en nuestro cultivo de verano una cierta regularidad o equilibrio a lo largo de los años, a pesar de tener años de más lluvia, de distintas pluviometrías y temperaturas. Et ils sont parvenus également à avoir moins de variabilité dans les rendements des cultures suivant les années, que l'année soit plus sèche ou plus humide, etc., et une meilleure régularité dans les productions, dans les rendements des cultures. Bueno.
Muy bien, esa es mi presentación. Espero que haya sido que haya servido. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Este Jean-Luc Vaymel es el dueño, es el patrón. Era el dueño, sí, ya falleció. Ah, donc c'est feu le propriétaire de l'entreprise pour laquelle agricole pour laquelle il travaillait. Muy bien, muchas gracias. Bon, vous avez compris, José Palomo nous remercie pour notre attention et mais je crois qu'il est disponible pour des questions si vous en avez. Excusez-moi. On a été trop rapide, trop bref. Voilà, ben merci beaucoup là pour la présentation. Est-ce que alors oui, ben en effet, sur tout ce qui est peut-être gestion de l'azote, il y a peut-être des questions, des précisions. Est-ce qu'il peut peut-être apporter des précisions sur ce sujet-là? Esto es una pregunta es sobre relativa al manejo de nitrógeno. ¿Qué evoluciones esto habéis? ¿Cómo va la cosa? Acá los lotes que van a maíz se fertilizan y estamos disminuyendo la cantidad de fertilizantes nitrogenados en los lotes donde podemos incorporar la leguminosa como cultivo de cobertura. Principalmente la vicia, pero con muy buenos resultados con el garbanzo. Algunas lotes. Là, donc, c'est les parcelles en maïs qui reçoivent une fertilisation azotée, mais qui est en train d'être diminuée, réduite, principalement si dans les couvertures, les légumineuses ont pu être introduites avec de bons résultats avec la veste, mais aussi avec le pois chiche. En algunos ensayos hemos llegado a medir que la vicia nos aporta hasta 100 unidades de nitrógeno por hectárea. Ils ont pu faire des mesures ou des estimations et ils sont arrivés à des maximums de 100 unités d'azote introduites par la VES ou apportées par la VES. En la zona oeste de Santiago del Estero, que es donde tenemos la pluviometría más baja, no logramos instalar las leguminosas en el invierno. Lo que mejor se adapta son las gramíneas y son los lugares donde estamos enfocados en la fertilización para obtener mejores rendimientos de maíz. Donc, No obstante, esperando en una evolución de los suelos para poder instalar las leguminosas en esos campos. les réductions de la fertilisation azotée, c'est pour les zones humides où ils parviennent à implanter des légumineuses dans les couverts, dans la zone là de Santiago del Estero, qui sont plus sèches et n'ont pas réussi à vraiment installer des légumineuses dans les couverts. Et donc, c'est des couverts à base de légumineuses. Et pour le moment, donc, ils fertilisent encore en azote. Enfin, n'ont pas encore réduit, ils sont pas encore parvenus à réduire la fertilisation azotée. Mais bon, ils y travaillent et bon, les résultats sont pas encore là. Merci. Il y a une autre question sur les préparations à base de plantes spontanées qui ont été présentées. Où est-ce que sont prélevées ces plantes spontanées? Directement aux abords des champs? Comment elles sont prélevées?
La pregunta es relativa a los biofertilizantes. ¿De dónde los sacan? ¿De qué partes del área sacan esos fertilizantes? ¿Si son de las orillas o de dónde? Bueno, yo creo que es eso, ¿verdad? El origen, el origen. Las plantas espontáneas que usamos para la preparación de los biofertilizantes se sacan de los mismos lotes que están con cultivo de servicio, con cultivo de renta, buscando lo que está en nuestros campos. ¿Y en qué momento lo sacáis? ¿Ya al final del invierno? Lo sacamos en mediados de invierno, en julio, agosto comenzamos la preparación de los biofertilizantes, que normalmente las plantas espontáneas ya han entrado en un periodo reproductivo. Entonces, cuando lo cosecháis, es una mezcla, ¿no? Cortamos la parte vegetal. La Y parte las cortáis. vegetal, toda la planta vegetal se la ¿Es una cosecha a máquina o a levanta, mano? no a mano. Ah, donc c'est des prélèvements manuels. C'est des prélèvements manuels au cœur de l'hiver, en novembre, décembre, quand les. Voilà, donc c'est pas mécanisé, c'est des prélèvements manuels des plantes vertes, spontanées. Très bien. Est-ce que des semis de maïs soja simultanés ont été essayés? Esto, ¿habéis probado sembrar maíz con soja, consorciado con soja? Si sembramos el maíz, el objetivo de la concienciación es buscar que la leguminosa genere una situación en el suelo favorable para la gramínea. No se busca cosechar soja, sino solo que la leguminosa, la soja, genere una condición favorable para el maíz. El problema que tuvimos es que al no rotar los lotes entre la leguminosa y la gramínea en el periodo estival, se acarrean dificultades de la soja hacia la próxima campaña. No, no sé, no estoy seguro de haberte entendido muy bien. Se trata de una siembra Se trata de consorciada de una maíz y de soja concienciación con vistas a mejorar el suelo para la siembra del maíz del año siguiente. con vista a que la soja genere un ambiente favorable en el suelo para el maíz que está sembrado junto a la soja. Ah, ya. Bueno, ¿y el problema cuál fue entonces? De que no rotábamos, seguíamos teniendo la soja a través de los años en los mismos lotes y se iban pasando de año a año problemas de la soja que con la rotación se cortan, poniendo un maíz solo en el medio. Bon, donc l'objectif du semis de maïs soja, c'était d'améliorer la condition du sol, d'améliorer l'ambiance au niveau du sol pour le maïs. Mais ensuite ils ont eu des problèmes que je n'ai pas très bien compris, j'avoue, des problèmes de. Je crois de ce que le il restait du soja ensuite, enfin, no acabo d'entendre quels fueron los problemas después. Et Sí, después de. tenemos insectos sobre todo, Sí. insectos que son problemas en la soja acá en la zona, que si no rotamos con maíz, esos insectos siguen estando en los campos y el problema de la soja es que le ponemos siempre el hospedero todos los años, el huésped para esos insectos. Ah, ya. Entonces, si mal no entiendo, es que no te entendía, ¿verdad? Cuando dijiste rotando, te había entendido rozando. Bien. Y entonces, con este sistema, se tiene soja en el maíz y luego se tiene soja y luego otra vez soja en el maíz y entonces se va Claro, desarrollando la exactamente. plaga. Bon, Exactamente. voilà, j'ai compris, c'est que, enfin, je crois avoir compris, c'est que d'avoir du soja dans le maïs,
Et puis ensuite des repousses de soja, et ensuite une culture de soja en rotation l'année suivante, et encore du soja, ça fait qu'il n'y a pas de coupure sanitaire au niveau du soja, et il y a des insectes, des ravageurs qui s'installent et qui deviennent un problème, y compris pour le soja, la soja de l'année suivante, et puis pour le... Voilà, c'est les problèmes sanitaires qui se... Voilà, c'est l'absence de vide sanitaire qui... Il faudrait qu'il y ait plus de distance, plus de séparation, plus une période sans soja pour éviter que le problème des ravageurs du soja n'augmente. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Non, mais très bien. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions, mais je pense qu'on a bien fait le tour des différentes questions. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup pour cette présentation depuis l'Argentine. Je pense que c'est voilà, une belle présentation pour conclure cette journée hein, en hommage à Lucien Segui et à Hubert Charpentier. Voilà, entonces te agradecen tu presentación de homenaje a Lucien Seguí y a Hubert Charpentier, que era un compañero que creo que no pisó por Argentina, pero ese también falleció hace cosa de menos de un año también, y que fue un gran actor también de la expansión de estos sistemas a través de África, de Madagascar y de... Y en Francia también. Moi, je crois que on peut remercier José Palomo, et puis peut-être le féliciter aussi, parce qu'ils sont champions du monde de football aussi, il faut pas l'oublier. Et voilà, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci aussi à José Martin pour la traduction. C'est très appréciable. Nous allons maintenant afficher le programme de la journée de demain. Donc, une journée comme aujourd'hui dense avec une première matinée dédiée au système en climat tropical, les CV en climat tropical avec un focus dans l'Asie du Sud-Est et puis ensuite à Madagascar. Et puis on terminera avec les SCV en climat tempéré, avec plusieurs retours, plusieurs témoignages d'agriculteurs français qui ont mis en place les systèmes SCV dans nos contrées. Ben voilà, un grand merci encore à tous les intervenants, tous les conférenciers de cette très belle journée. Demain, nous continuerons donc notre tour du monde avec l'Asie. On a évidemment pu avoir en direct les Brésiliens plus tôt l'après-midi et demain matin, ben, on va pouvoir parler avec l'Asie en tenant compte évidemment du décalage horaire. Et nous retrouvons donc à 9 h demain sur ce très bel hommage à Lucien Segui et à Hubert Charpentier. Donc, merci beaucoup, très bonne soirée à vous tous. Et donc, vous pourrez évidemment continuer à commenter et à poser vos questions sur le chat et profiter donc des vidéos sur YouTube en replay, évidemment, avec des outils de traduction, de sous-titrage qui vous permettent de retrouver l'ensemble des vidéos dans les différentes langues avec le sous-titrage automatique proposé par YouTube. Donc on se retrouve demain à 9 h. Le programme va être maintenant affiché de la journée de demain. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Merci encore à tout le monde et à demain.